Oui, bien alors, dépêche-toi. Grand-père, grand-père, est-ce que tu sais où est passé mon papa? Je n'en ai aucune idée, mon grand. Car il ne me dit jamais où il va. Mais moi, je sais où Nil est en ce moment. Tout-Puissant, je vous en prie, faites que Nil et Charat puissent enfin se réconcilier. Et que Nil ramène enfin Charat à la maison en tant que son épouse. Je suis là! Nil Kant, mais où étais-tu passé? Nous étions inquiets pour toi. Je suis allé chercher ma femme, ma tante. Alors ça a fonctionné? Et Nil a ramené Charat à la maison. Viens là. Shlok a besoin d'une mère et a... Je ne suis pas égoïste au point de priver Shlok de sa mère. J'ai donc pris la décision de me marier avec Alaknanda. La plus grosse bêtise que j'ai jamais commise a été d'épouser un homme qui ne partage pas mes croyances. Ces souvenirs du passé auxquels je m'accrochais sont plus désormais que des moments que j'aimerais effacer de ma mémoire. Et désormais, je n'ai plus que Shlok et Alaknanda dans ma vie. Ce sont eux qui sont ma famille. Mais comment est-ce que c'est possible? Où est Charat? Acceptez d'épouser maman Alka. Maman Alka ne pleurera plus et personne ne pourra la réprimander, non? Oui, mon grand. Pourquoi devrait-elle pleurer? C'est une joyeuse occasion, non? Félicitations, monsieur. Félicitations, madame Alka. Tenez, une petite douceur. Maman Alka, papa et toi, vous serez pour toujours ensemble maintenant, hein? Je suis vraiment surprise du fait que le plan que tu avais élaboré, Naveli, n'a pas fonctionné, n'est-ce pas? J'avais prévu d'aller voir Alaknanda. Avant que je ne découvre à la dernière minute le plan que tu mijotais. C'est quoi le nom que tu m'avais dit, Naveli? Port Goa... Oh non! Il faut que je me rappelle du nom de cet endroit. Je dois l'écrire pour ne pas oublier. C'était quoi? Port Goa Villa. On dirait que quelqu'un a écrit dessus avec beaucoup trop de pression. Ça a laissé une impression.
symbole. C'est mon nom dessus. Ça veut dire que Navelli essaie délibérément de nous réunir, Neil et moi. Navré, Navelli. Mais ton plan n'a pas fonctionné comme prévu. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, tu peux me dire? Tu sais aussi bien que moi que Neil et toi devriez être ensemble. C'est clair que vous êtes faits l'un pour l'autre, Chad. Vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés. Et j'ai dû faire croire à Neil que j'étais... passée à autre chose, Navelli. Chad, mais... pourquoi tu lui as dit une telle chose? Je ne veux pas que Shlock ait le cœur brisé, Navelli. Pour cet enfant, Alka est la mère qu'il a toujours connue. Qui suis-je pour essayer de les séparer? Regarde-le. Il a l'air d'être aux anges. Et qui plus est, l'amour n'est pas au-dessus du devoir, Navelli. Chad! Non. Non, Tout-Puissant, après tant d'années, ils se retrouvent tous les deux dans la même ville. Et ils vivent sous le même toit, ça ne peut pas être une coïncidence. J'en suis plus que convaincue que c'est un signe du destin que Neil et Chad sont destinés à être ensemble. Alors, Tout-Puissant, je vous en prie, faites qu'un miracle se produise pour qu'ils soient à nouveau réunis. Je vous en supplie. Hey, Top-Sing! Tu n'as pas terminé le motif! Voyons, je t'ai demandé ce matin si tu savais comment le faire, et tu m'as dit que si! Et tu n'as même pas encore terminé un seul motif pour l'instant! As-tu aussi fait appliquer du henné sur tes mains? Pas du tout, madame. Je le termine. Oui, bien alors, dépêche-toi! Comment puis-je faire ce motif pour Neil et quelqu'un d'autre? Comment vais-je supporter de le voir avec une autre? Oh, Tout-Puissant! Comment puis-je oublier mes sentiments? Ma parole! Tu pourrais me dire ce que tu fais exactement, hein? Tu n'as fait aucun préparatif pour la cérémonie! Mais où as-tu la tête? Grand-mère, sois gentille envers Oncle Top! C'est un joyeux événement! Si jamais Oncle Top se fatigue, Doua et moi allons prendre la relève pour le terminer! Allez, debout, Oncle Top! On va le terminer pour toi! Bon, d'accord, mais vous le faites comme il faut, hein? D'accord, grand-mère. Hé! Il reste la décoration florale. Est-ce que tu peux t'en occuper? Regarde, il y a un espace vide juste là, donc. Mets-y quelques fleurs, hein? Et dépêche-toi! Chad, pourquoi est-ce que tu t'infliges une telle souffrance, hein? Tu réalises certainement que Neil aussi doit souffrir à l'intérieur. Pourquoi ne pas arrêter tout ça et dire la vérité à tout le monde, Jarrett? Tu sais, une fois que mon papa et maman Alka seront mariés, nous aurons tous les trois notre propre chambre. Moi, papa et maman. Et tu pourras venir dormir chez nous, de temps en temps. Navelli... après toutes ces années, je me suis habituée à la souffrance, tu sais. Mais ce pauvre enfant... je ne voudrais pas le voir malheureux. Et c'est son plus grand rêve. Il aimerait que Neil et Alka se marient. De toute façon... je ne serai jamais la belle-fille que papa... aurait espéré avoir. Chut, la famille n'approuvera pas une relation entre Neil et moi, Navelli. Mais j'espère que... Alka fera tout son possible pour rendre Neil heureux malgré tout. Je sais qu'elle aime Neil de tout son cœur. Ne joue pas, elle est timide. Viens!
Je ne suis pas trop moche comme ça? Pas du tout, madame. En fait, je vous trouve magnifique comme ça. Il ne manque qu'une chose. Madame, je reviens. Et voilà, c'est pour vous. Madame Navelli, prenez ça. Mettez un point noir derrière le cou de Madame Alka. Allez-y. Tout est prêt pour la cérémonie, grand-mère? Alors, on devrait vite faire venir papa. Ainsi, ils peuvent se marier tout de suite. En fait, où est papa? Je vais aller chercher ton papa tout de suite. Oui, dépêche-toi, va chercher Neil. Oh, Tout-Puissant. Vous devez les aider. Empêchez donc ce mariage d'avoir lieu. Ce n'est que Chahad qui peut rendre Neil heureux. Pitié. La plus grosse bêtise que j'ai jamais commise a été d'épouser un homme qui ne partage pas mes croyances. Trouve-toi une jeune femme qui partage tes croyances et marie-toi avec elle. Monsieur, vous devez m'accompagner. Où ça? Il me reste encore un peu de temps avant d'aller à la cérémonie. Non, non, monsieur. Je ne vous emmène pas à la cérémonie. Je vous emmène ailleurs, suivez-moi. Mais où ça, Top Singh? Allez, venez. Venez, monsieur. C'est par ici. Mais Top Singh, pour... quelle raison tu m'as emmené ici? Écoutez, je vois bien que... vous avez l'air contrarié. Je sais bien que votre cœur... est en train de souffrir en ce moment. C'est que je vis en ce moment. Personne ne pourrait comprendre, Top Singh. Tout le monde pense que je perds mon temps à attendre une femme qui est décédé. Mais tu sais quoi, Top Singh? La femme en question n'est pas morte. Elle est bel et bien vivante. Elle a juste planifié sa propre mort. Elle a manigancé tout ça. Juste pour qu'elle puisse refaire sa vie avec Sahil. Et pour qu'elle puisse l'épouser. Je n'avais pas réalisé jusqu'aujourd'hui que Chahad m'avait trahi. Est-ce que je l'ai pas aimé comme il fallait? Elle m'a quitté pour épouser ce Sahil. Peut-être parce qu'elle voulait se marier avec quelqu'un d'appartenant à sa propre religion. Et quand je l'ai vu dans les bras de Sahil, tout ce que je voulais, c'était de l'attraper. Parce qu'elle est à moi. Mais j'ai pas pu le faire. Dis-moi, Top Singh, quel genre de personne forcerait quelqu'un à l'aimer? Ce n'est pas de l'amour, si on doit le voler, non? C'est pas ça. Ah. Ah, je suis désolé, Top Singh. Je n'arrête pas de radoter. C'est juste que j'avais besoin de vider mon sac et... je ne pouvais pas m'arrêter. Monsieur, c'est pour cette raison que je vous ai amené ici. Monsieur,
Je sais bien que vous avez beaucoup de frustration en vous. Alors voilà. Criez ou hurlez. Jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. Hé, monsieur, écoutez-moi. Une fois que vous l'aurez fait, monsieur, vous vous sentirez beaucoup mieux, vous verrez. Peu importe qui est cette femme. Et peu importe ce que vous lui reprochez, faites-le sortir d'un seul coup. Non, je ne peux pas faire ça. Si vous pouvez le faire, criez, monsieur. Venez avec moi, monsieur. Grimpez dessus. Monsieur, allez-y. Allez, criez maintenant. Lâchez tout ce que vous avez sur le cœur. Je te hâte. Je te déteste plus que tout, Jahat. Criez le plus fort. Cette frustration que vous gardez à l'intérieur, faites-la sortir. Je te hâte. Pourquoi avoir inscrit une telle histoire d'amour dans mon destin tout puissant? Cela arrive tout le temps. Pour être avec celui que j'aime, je dois sacrifier tout ce qui compte pour moi. Pourquoi dois-je perdre Neil à chaque fois alors qu'il est tout près de moi? T'auras du safran 7 fois sur le visage. Cette fille a attendu patiemment durant 7 ans que tu la remarques enfin. Alors que toi, t'as passé ton temps à jouer aux hommes aigris pour rien. Naveli, c'est à toi. Mets-lui du safran. Monsieur, vous êtes sur le canapé pour manger. Ce que je veux dire, c'est que... comme les autres prêtres, vous devriez vous asseoir en bas pour manger, non? Oui, en fait... depuis que père a été kidnappé, il a très mal au genou, oui. Donc le médecin lui a dit d'éviter de s'asseoir sur le sol. Oh! Ah! Il y a donc un problème? Va-t'en d'ici. Papa ne serait jamais allé à l'encontre de ses principes juste pour une blessure mineure. Ça ne lui ressemble pas. Est-ce que tout le monde a complété le rituel? Est-ce qu'on a oublié quelqu'un? Oui, ma tante. Oncle Topsil n'a pas participé au rituel. Ah oui, c'est vrai. J'ai complètement oublié. Il fait partie aussi de la famille maintenant qu'il vit avec nous. Topsing, viens participer. Donc maintenant, le safran de Neil doit être mis sur Alka aussi. Topsing, prends ce bol-là devant toi et va là-bas. Pourquoi est-ce que t'es pressé tout le temps? Tu ne peux pas faire attention. T'aurais pu trébucher avec ce meuble. Arrête de faire la statue. Emmène le bol. Ma tante, je vais aller prendre un bain. Allez oui, vas-y, va prendre ton bain, Neil. Bopou, aide-le. On pourrait dire rien qu'en voyant la tête qu'il nous fait qu'il revient de prison. Vyas? Mais où est-ce que tu vas? Mes médicaments. Je vais prendre mes médicaments.
Et puis je me rendrai au temple parce que... parce que je veux prier un peu pour que ce couple puisse être heureux. À jamais. Oui, c'est beaucoup mieux. Oui. Partons, allez. Ce safran représente tout l'amour que ton mari ressent envers toi. Savais-tu que le safran que l'on applique sur l'épouse représente l'amour de son mari? Tu vois, tu as aussi ce même safran sur ton visage. Chahat, quel plus grand signe est-ce que Dieu aurait pu t'envoyer aujourd'hui? Il te reste toujours du temps. Donc arrête ce mariage et révèle la vérité sur toi. Chahat, il y a très peu de gens qui connaissent le grand amour. Il et toi, vous vous aimez, beaucoup plus que le coût de vos propres vies et les risques. Il ne peut pas être heureux sans toi dans sa vie si tu ne l'es pas non plus. Chahat, écoute-moi et n'aie pas peur de révéler à Anil qui tu es vraiment. S'il te plaît. Non, Naveli. Ce mariage doit avoir lieu. Je ne veux pas que cette famille ait à avoir des conflits religieux. À nouveau seulement à cause de moi. Il se mariera avec la fille que son père a choisie pour être avec lui. Je n'aurai jamais son accord. Non. Moi, je ne laisserai pas tomber si facilement. J'ai une foi aveugle en notre Dieu. Il arrêtera ce mariage, d'une façon ou d'une autre. Je suis au courant que tu es bien Chahat. Et tu fais quoi ici? Ah! Sahil! Tu me prends pour un objet? Tu m'as utilisé comme un simple jouet. Tu m'as utilisé pour prouver à Neil. T'étais heureux sans lui. Chahat, je ne suis pas heureux. J'ai passé 7 années en vivant à tes côtés pour t'aider, en gardant l'espoir qu'un jour, tu serais enfin à moi. Plus maintenant. Tu vas devoir m'épouser, Chahat. Sahil! J'ai passé 7 ans de ma vie avec toi à t'obéir sans broncher, Sahil. Et je ne t'ai jamais arrêté. Et je ne t'ai jamais donné de faux espoirs comme tu le prétends. En fait, je n'ai jamais cessé de te répéter que tu pouvais me laisser pour partir et vivre la vie dont tu rêves avec une autre femme, si c'était ce que tu voulais. Parce que moi, je ne peux pas être en couple avec une autre personne que Neil. Lâche-moi maintenant! Neil! Alors tu appelles cette folie-là de l'amour? Très bien. C'est ton choix. Mais par contre, tu m'épouseras que tu le veuilles ou non. Sahil, non, tu n'as pas le droit de me forcer! Je ne l'ai jamais fait. Maintenant, oui. Chahat, tu regardes Neil se marier avec cette fille. Pour ne pas briser le cœur de Shlok. Réfléchis bien, Chahat. Moi, ça ne me pose pas de problème de lui briser le cœur. J'irai dire à tout le monde, et spécialement à Neil, la raison pour laquelle tu l'as abandonné toutes ces années, rien qu'à cause d'une promesse. En l'entendant, Neil va annuler son mariage. Que se passera-t-il? Et le garçon dans tout ça? Il est innocent. Et toi, tu lui briseras le cœur, Chahat? Et tu sais à quel point il peut être sensible si jamais ça l'affecte et qu'il fait quelque chose de mal. Tais-toi! Si jamais tu oses dire ne serait-ce qu'un seul mot sur Shlok. Pourquoi tu t'inquiètes pour lui? C'est ton fils, non? Alors t'as qu'à le laisser mourir.
Je me demande pourquoi je perds mon temps à te parler. Je vais entrer et leur dire. Ça, il attend. J'accepte de me marier avec toi, c'est d'accord. Tu vois, c'était facile. Tu sais quoi, Shahat? Quand je vois tes si jolis yeux, remplis de tant de larmes, ça me brise le cœur. Bref, préparons notre mariage. Pendant que Neil se mariera ici, nous célébrerons notre mariage aussi. Shahat, je commence à croire que finalement la patience porte ses fruits. Mange. Hé, hey, lâche-moi. Au nom du dol, rôti, céréales, tous ces repas que vous me donnez ici me rendent faible, vous savez. Ghazala, une personne doit manger autre chose que des rôtis pour être solide, pas vrai, hein? Je trouve ça très bien que Neil épouse Alaknanda. Ah. Il sera occupé avec cet illettré. Il sera prêt avec ses problèmes et il... ne se mêlera pas de ma vie. Saïd, où vas-tu comme ça? Assieds-toi, reste, célébrons. Non, monsieur Alec, j'ai du boulot à faire. Mais dis-moi, où vas-tu? Avec ce cadeau, tu vas me le dire ou pas? Mais... Alec, ne l'intimide pas comme ça. Après 7 longues années, mon neveu a trouvé une fille qui lui plaît vraiment. Aujourd'hui, nous avons fixé leur mariage, donc il va lui falloir offrir un cadeau. Sahil ? C'est en or. Qui est cette fille? Dis-moi son nom, au moins. Vous le saurez. Le moment venu, Alec. D'accord. Bien. Hé, hey, n'oublie pas. Assure-toi que toute la nourriture soit bonne au mariage. Je compte sur toi pour y veiller de près. Vas-y, vas-y. Va tout préparer. Ah bon? D'accord. J'en chercherai une autre. Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Il n'y a plus d'artiste aîné à Ogoa. Les gens ne mettent pas de aîné au mariage ici. Maintenant, je ne sais plus ce que je dois faire. Ici, tout ce qu'ils font, c'est mettre une robe blanche. Puis ils se font un simple câlin et ils sont mariés. Mais nous ne pouvons nous marier sans mettre du aîné. Je ne sais pas ce que je vais faire maintenant. Donc cela veut dire que maman ne pourra pas mettre du aîné? Dommage que ma maman ne soit pas là. Elle sait très bien appliquer du aîné sur les mains. Madame, vous avez besoin d'une artiste aînée? Donc considérez que c'est fait. Je connais une fille dans le coin qui est très douée pour cela. Oui, dépêche-toi d'aller la chercher. Le temps va s'écouler. Va. Eh bien, ce Topsing est très intelligent, pas vrai? Il est là depuis si peu de temps et voilà qu'il s'est déjà fait des amis. Il n'est pas seulement intelligent. Cet oncle est aussi un très bon magicien. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas de la faute de son enfant. Plutôt, ce qui lui ferait plaisir, c'est de voir du aîné sur les mains de sa mère. Je dois le faire au moins pour le bonheur de Shlock.
Jahat. Que veux-tu maintenant ? Rien. Rien pour l'instant. C'est juste pour te voir un moment. C'est fou que tu acceptes d'appliquer du henné pour ce garçon. N'oublie pas que j'ai toujours un œil sur toi. J'ai déjà accepté de me marier avec toi. Alors pourquoi tu me suis maintenant ? Chara, tu es tellement jolie que moi, je n'ai pas le courage de te quitter du regard. Et au fait, j'ai un cadeau pour toi. Je veux te l'attacher de mes propres mains. Cela te rendra encore plus belle. Tu les aimes ? Cela me donne l'impression d'être encore plus enchaînée à toi. Enchaînée ? Moi, je trouve que tu es simplement jolie en les portant. Une fois qu'on sera mariés, tu seras plus apaisée, tu te sentiras mieux. C'est impressionnant comme les dessins de Tante Camille sont jolis. C'est super que Oncle Top l'ait emmené. Mais où est parti Oncle Top ? Hé, Camille, peux-tu écrire le nom de son mari avec le henné ? Neil Kant. Waouh, c'est vraiment un très joli dessin. Alka, le jeton pour la chance. Il est là au coin du sac. Oh non, mon Dieu! Quelle catastrophe! Son aîné est gâché maintenant. Le nom de Neil Kant a été retiré. Maman, n'est-ce pas un mauvais présage? Peut-être bien que c'est un signe pour avertir que ce mariage n'est pas une bonne idée. Navelli, mais pourquoi tu dis ça? Exact, pourquoi tu dis des bêtises pareilles? Tu penses que tu sais tout, sur le bon et le mauvais? Ton mariage ne se passe pas si bien non plus, hein? Non, ma tante, ne vous énervez pas. Parce qu'il y a un mariage dans votre maison. Et vous devriez tous être en train de danser. Mettez un peu de musique. Attendez, je vais mettre de la musique pour vous. C'est comme les... une artiste du henné. Une artiste aînée. Pourquoi est-ce qu'elle couvre son visage? Hé, enlève ce voile. Non, monsieur. Dans... mon village, les filles ne montrent pas leur visage aux hommes qu'elles ne connaissent pas du tout. Ce n'est pas ton village, c'est notre maison. On voit au moins les visages des gens qui travaillent ici. Sinon, n'importe quel voleur peut entrer ici. Enlève-moi ça. Oh non, désolé, monsieur. C'est contre mes principes. Si tu ne fais pas ce que je te demande, c'est moi qui le ferai à ta place. Je te le dis pour la dernière fois. Enlève ce voile. Je sais bien que
T'es l'homme le plus dégoûtant de cette planète. Mais au moins, aie un peu d'honte devant ta femme. Tu te comportes très mal avec une autre femme devant elle. Neil, écoute-moi, ce que tu ne comprends pas, j'ai fait ça parce tu que tu voulais quoi, hein? Dis-moi comment tu vas cacher tes mauvaises intentions. Non, 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 Neil, je voulais juste... À ce moment, tu sais quoi? Je suis vraiment très heureux que... Bugs n'est plus vivante pour assister à tout ça et voir ton caractère dégoûtant. Regarde. Je m'excuse auprès de toi en son nom. Fais-moi une faveur. Gifle-le pour qu'il puisse bien retenir la leçon. Allez, vas-y, fais-le. Ne t'inquiète pas. La cérémonie du aîné n'est pas terminée. Allez, vas-y, peux y aller. Est-ce qu'on peut finir quelque chose sans qu'il y ait de problème dans cette maison, n'est-ce pas? Maintenant, il est temps d'aller dans vos chambres. Nilkant et Alakanda vont se marier demain. Est-ce que ça t'a fait mal? Dis-moi, pourquoi tu ramènes des filles pareilles à la maison? Je vais te gifler. Comment ça? Pourquoi tu veux me gifler? Est-ce que tu en veux encore? Allez, sortons d'ici. Cette claque ne t'a pas suffi? On y va. Allons-y. Aujourd'hui, je vais t'offrir des petits gâteaux et aussi beaucoup, beaucoup de chocolat. Parce que tu as bien voulu que maman Alka et papa se marient. Alors c'est génial. Je dois vraiment faire tout le travail moi-même. Mais où est-il encore passé, ce Topsing? Est-ce qu'il est ici pour des vacances? Maman, je pense qu'il est allé aider Neil à se préparer. Chaha doit vraiment être bouleversée. Je me demande comment elle verra Neil se marier à nouveau avec une autre personne. Mais où est-ce que vous êtes, monsieur? Monsieur! Je mets mes vêtements. Ah, j'ai toujours pensé que quelque chose ne tournait pas rond chez toi. Tu dois avoir le cœur brisé parce que je vais me marier, c'est ça? Non, monsieur. J'ai caressé votre costume parce que c'est vraiment très doux. Votre vêtement est doux. Comme du velours. T'es vraiment bizarre. Aide-moi à le mettre. Allez, dépêche-toi. Oui. Tu te maries quand avec la Jo? Monsieur, on n'est pas pressé pour ça. Notre amour nous suffit amplement. Je vais te dire quelque chose. Tu as tort de penser ainsi. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Tout le monde se marie parce que c'est une responsabilité. L'amour n'est qu'une absurdité, c'est de la folie. Alors s'il te plaît, ne sois pas absurde. Donc maintenant, t'es un expert en amour. Tu dis n'importe quoi. Tu sais où est le peigne? Dans la salle de bain? Attends, je vais... Laisse-moi faire. Topsing, est-ce que Neil est prêt? Bientôt. Je t'en prie, prends ce bac à fleurs. Va décorer la chambre de Neil et Alakanda pour leur nuit de noces.